Bonsoir, bonsoir Gaufraise. Ce soir, fin de shift, on découvre Stray Light. Alors, Stray Light, alors déjà, faut que je vois, la manette est pas détectée. Ah, c'est sûrement parce que je l'ai allumée après l'avoir lancé la démo, donc on va peut-être juste relancer la démo. Parce que là, c'est bizarre. Ah, on va faire ça. C'est pas grave, le stream il démarre, tranquille, on va. On fait comme si on n'avait rien vu. Tac, on relance. Ah, faut que je quitte. C'est vrai que ça. SteamVR, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu bizarre là, cette histoire avec SteamVR. Ah, c'est bon. Je pense que ce sera corrigé sur la sortie du jeu. Stray Light, qu'est-ce que c'est donc? C'est le prochain jeu du studio Embers. Studio basé à. Je vais y arriver. À Strasbourg. Donc, In Mine Town. Qu'est-ce que c'est donc que ce jeu? Hein? Alors, je vais juste mettre le. Voilà. Là, c'est bon, la manette est détectée. Parfait. Voilà. Straight light. Tac, tac, tac. Alors, attends. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de communiquer sur un autre réseau. Non, pas là. Tac. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment. Il y a eu une Indie Game Night à la. Tata. Là, que je vais juste envoyer donc sur différents réseaux. Ouais, j'ai compris. En fait, il y a eu l'Indie Game Night vendredi et il y a eu le studio Embers qui a présenté son jeu. Un jeu qui va sortir le 25 avril. Donc, ils ont commencé leur communication qu'en janvier. Et c'est super intéressant en fait de voir que bah, les gars, depuis janvier, ils y vont à fond et là, ils vont faire plein de conventions. Notamment la PAX East. Et voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est un jeu action-aventure. Je regarde juste sur le retour si le truc. S'il y a des ralentissements, vraiment pas hésiter à me le dire. Ouais. Merci de rester un peu. Si, coup fraise, première fois que tu viens sur le chat. Je te connais d'un réseau ou pas? C'est Aurélie. Ah, c'est Aurélie. Ok. Ah merde. Ah ouais, ah ouais, je connais pas. ok. Si le stream ra rame ou quoi, faudra pas hésiter à me le dire. Hein. Première fois que je le. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un enfant. C'est un bébé. Enfin, on dirait un bébé. Waouh, il se met à marcher. Enfin, c'est moi qui le fais marcher. Waouh, incroyable. C'est un peu flou, hein, par contre. Hein. Alors, je sais pas si c'est voulu. De ce que j'avais compris, c'est que dans le studio veut justement faire le personnage que tu contrôles, bah du coup tu vois, comme on voit, on contrôle l'état d'enfant, mais c'est jusqu'à. Alors comment ils appelaient ça? C'est jusqu'à son éveil. Mais en gros, je pense c'est jusqu'à la. Ouh, il y a eu un petit ralentissement là. Jusqu'à sa mort, je pense. En tout cas, voilà, c'est toute la vie du personnage que tu vas découvrir. C'est un jeu qui n'a pas de dialogue. Donc ça, c'est assez audacieux, on va dire. Pas de dialogue, pas de mots. Tout se fait par la narration dite environnementale. C'est intéressant, visuellement, j'aime bien. Oh ouais, j'aime bien, c'est pas mal. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est mignon.
Bon, là, c'est pas très action, hein. Mais je pense que c'est pour te faire imprégner de l'univers. En tout cas, je suis assez surpris. C'est un studio qui est composé de 9 développeurs en tout, hein. Donc c'est une toute petite structure. Et déjà, visuellement, ils ont vraiment beaucoup d'ambition, je trouve. Et c'est bien d'avoir de l'ambition. Ils ont l'air de pouvoir le gérer. Ah. Cinématique. Sprinter, d'accord, donc on peut sprinter. Okay. Alors, le bouton B, je trouve ça pas des plus pratiques, mais admettons. Moi, je veux des combats là. C'est quoi ça? Ah, waouh, incroyable. Ok. Oh, mais c'est sympa ça. C'est mignon. Et salut Babiche. Ah bah il grandit vite hein, le bonhomme en fait. Eh c'est marrant, le reflet est pas synchronisé. Pourquoi donc? Ah c'est un vilain. Salut Secteur, comment que ça va? Vous êtes perdu, vous avez vu de la lumière. Ouh, peut-être c'est notre premier combat. Tu es sur ATS, mais profite bien de ta petite roulade. Ouais, moi j'ai du combat. Alors t'as dit, moi quand j'aime un nouveau jeu, je mets toujours 2 jours à comprendre les touches et au final je sais même pas toutes les fonctionnalités. Alors ouais, on va voir. Visuellement c'est chouette hein. Je... Je referai un petit récap de ce qui c'est quoi. Mais non, t'es pas moisi, la biche.
Il déconne zéro le bonhomme. Hein. Hartung, ça va combattre. Allez. Ok, donc là déjà, faut apprendre à parer. Ok. Allez, viens. C'est la bagarre. Ouh. Tac. Vas-y, là, t'as cru quoi? Tac, bim. Ah zut. Encore une fois. Et trois fois. Allez. Bon, le tuto est ultra basique. Mais c'est pas dérangeant. C'est toujours bien de voir. Oh! Ah oui, alors le jeu, c'est en fait c'est un Sekiro qui rencontre Ikaruga. Hein. Bim. Hop là. Hop là. Hop. Ah zut. Bim. Donc en fait, faut avec un bouton changer de couleur hein, pour pouvoir parer dans la bonne couleur. Parer une chaîne d'attaque. LB pour changer de couleur, pareil, deux attaques dans la même couleur que les deux. D'accord. Ok. Ensuite. Ok, donc il y a un sens du timing aigu. Hop là. Hop là. Hé. Ok, ça va, c'est facile. Pas enfin, facile. Pour esquiver les attaques corrompues. Ah oui, là c'est pas la même couleur. Ok. Ça, c'est une couleur que je peux pas. C'est pas mal. Le système d'esquive est bien. Ce qu'ils disent. Salut Vegan Bryce. Ce qu'ils disaient les développeurs quand ils présentaient le jeu, c'est que. Quand j'avais un peu parlé avec eux, ils disaient que déjà le système de changement de couleur et le système de parade est assez permissif. Ça se sent un petit peu. Et surtout, le système d'esquive est assez permissif. Donc ça c'est assez cool. Bon, maintenant faut combattre. Moi je veux combattre là. Ceci est ta barre d'énergie part dans la même couleur que ton adversaire pour la remplir. Hop là. Tu veux quoi là? Hop. Hop. Hop, on esquive. Hop là. Et là, faut que je LT pour libérer l'énergie accumulée. Là, je laisse appuyer sur deux gâchettes, d'accord. Salut Hugo Fraise, merci d'être passé. C'est très gentil. Ceci est ta barre de santé, pas d'un même couleur te soigne, pas d'un mauvaise couleur bloque seulement les dégâts. Ah, ok, d'accord. Donc tu peux pareil, peu importe la couleur, mais si tu fais un même couleur, ça te soigne en plus. D'accord. Pourquoi pas, c'est pas mal. Ah zut. Ok. Boost. Hop là. Donc effectivement, ça m'a soigné en part. C'est pas mal ça, j'aime bien.
Là. Ok. Là, des séances de QTE. C'est pas ce que je kiffe le plus, moi perso, les QTE comme ça. Mais bon. Ça a de la gueule. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais visuellement, ça a de la gueule. C'est vraiment une DA sympa. Ah, t'as vu ça, hein? C'est fait par 9 développeurs strasbourgeois en 3 ans. Ouais. Et quand, enfin, ouais, c'est ça. Ils ont commencé en début 2020 et ils vont le sortir là en avril. C'est beau, hein. Franchement, ouais, c'est très chouette là, les petits portails qu'il y avait au fond et tout là, c'est. Ouais, alors en fait là c'est pas des QTE, c'est des STE, c'est des slow time events. Parce qu'effectivement, genre t'as vu quand il y avait les QTE qui s'affichaient, le jeu avait un petit ralenti, tu vois, pour te laisser le temps de le faire. Mais là, effectivement, j'ai pas essayé de les louper pour voir ce que ça donne. Donc ouais, visuellement, c'est chouette. Le jeu n'a aucun dialogue, hein. C'est un jeu sans dialogue. Bon, par contre, il y a un système de compétences, le fort intérieur, d'accord. Niveau 1 d'affinité à l'énergie 1, augmente tous les gains d'énergie, s'améliore en collectant des sortes d'énergie. Donc ça c'est bon. Et ensuite, balance, choc, déflagration. Appuie sur Y pour bondir et effectuer une attaque puissante qui interrompt et vole de l'énergie. D'accord. Appuie sur Y pour étourdir les ennemis pendant un temps. Appuie sur Y pour pouvoir parer les deux couleurs sans avoir à changer pendant un temps. Je sais pas, on va prendre ça. Hein. Je sais pas, hein. Ok. Ok. Hunt. Ah, pardon. Il y a un portail sympa ça. Petit portail là comme ça avec un mini effet de profondeur. J'espère que vous allez bien en fait, hein. Je sais pas, ne pas poser la question. C'est vrai que c'est une phrase un peu cliché, j'espère que vous allez bien, mais en fait, je vous connais vous personnellement, chacun d'entre vous là, qui écrivait sur le chat, et du coup, c'est une question qui est sincère. Random 45, j'aurais dit oui, bon, salut, ça va. Mais vous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait? On va par où? C'est un jeu, je crois. C'est censé être linéaire. Enfin, c'est linéaire. Ça, c'est de là d'où je venais, je crois. Ensuite, je vais par là. Okay, on va avancer par là. Ils sont jolis, ces cristaux. Voyons voir. Je sais pas du tout combien de temps dure la démo. Hein. Donc j'ai lancé ça. Si ça se trouve, le stream va être tout court. Écoute, moi ça va. J'étais éclaté, mais vraiment éclaté à la fin de mon shift. Ah non, c'est là. C'était par là que je venais, pardon. Mais oui, c'est joli ce panorama. J'étais vraiment mais claqué, mais comme pas possible du taf. En plus, je me suis dit, il faut que je me fasse à manger. J'étais totalement mort, et là ça va. Ok, donc là faut que j'avance par là-bas. Parce que là c'était par là où j'étais allé, il y a eu la cinématique, le machin, le bidule. Donc en fait il n'y a rien, c'est tout plat. Ok.
Donc voilà, un peu éclaté, mais ça va. Oui, c'est ça, maintenant je suis en week-end, c'est pour ça que j'aime bien le dimanche soir. Donc ouais, Straylight, développé par 9 personnes en 3 ans. On ne connaît pas encore le prix, ils n'ont pas voulu le révéler durant la Indie Game Night. Ils ont préféré attendre un petit peu parce que voilà. De ce qu'on a cru comprendre en tout cas, c'est que le jeu coûterait entre 30 et 40 euros probablement pour à peu près 6 heures de jeu, d'après les playtests qu'ils ont fait faire. Voilà. Donc après, faut voir, mais ça me choque pas forcément, sachant que le jeu a une vibe un peu façon journée. Journée, ça dure 1 heure et demie, ça coûte 30 balles, tu vois. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il donnait cet argument-là en disant que journée est un jeu qui dure à peu près 2 heures et qui coûte entre 20 et 30 euros. Donc. Ça fait un peu cher, effectivement. Après, voilà, c'est un jeu. Faut voir parce qu'en si l'avant si les six, si, si les petites les 6 petites heures que tu passes sont vraiment marquantes et vraiment chouettes, moi je trouverais ça me choque pas. J'ai Inside par exemple de Playdead, dure 3 heures je crois, il coûte 20 balles, ça me choque pas. Enfin, et je veux dire Inside, je l'ai fait 2 ou 3 fois et il est toujours aussi incroyable ce jeu. Alors, appuyez sur Y pour utiliser une capacité. Cela coûte un point de capacité, 20 des ennemis pour gagner des points de capacité. Voilà, donc là j'ai utilisé un point de capacité. Donc en fait, j'ai pas vraiment d'attaque. Moi, mon but c'est de me défendre. Remplir ma jauge, me défendre. Et tac. Et ensuite faire le déchaînement qui détruit l'ennemi. D'accord. Ok. C'est marrant. C'est audacieux, on va dire. Parce que moi je pensais qu'il y aurait un vrai système de combat façon. Parce qu'il parlait un peu d'une vibe à la Sekiro avec ce système de parade. Mais je pensais justement qu'il y aurait un système d'attaque. Mais. Ah si, on peut attaquer. Ah si, voilà. Je me suis dit. Ah. Hop. Voilà. Ok. Ok. Très bien. C'est assez propre hein, quand même comme jeu. Hein. Je veux dire là pour une démo, je suis assez surpris de voir à quel point c'est. Ah, là la lumière qui a disparu. Je dis ça juste avant qu'il y ait des god rays qui disparaissent durant une cinématique. Marrant. Non mais en vrai c'est propre. Hein. C'est plus que correct. Au vu de la taille de l'équipe et du temps de développement. Ah, c'est beau. Ah, c'est chouette ça. Avec les feuillages et tout là. Très très chouette, bravo. Ok. Alors, j'ai fait une petite interview avec deux des développeurs, je crois le directeur créatif et l'animateur en chef. Je suis plus sûr pour ça. Et du coup, je les ai interviewés durant l'Indie Game Night vendredi. Bon, juste encore que je vérifie le fichier son, que je le clean un peu, éventuellement que je rajoute des choses s'il y a besoin, et je vous le publierai dès que possible sur le Discord via les podcasts de Presse F5. Voilà. Ok. Donc tu peux combattre plusieurs ennemis, d'accord. Ouais, par contre, ça tue. Oula. Hop. 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 Ouais, ça devient compliqué là.
D'ailleurs, il faudra que tu me dises comment je fais pour le mettre sur le podcast de Presse F5 sectaire. Bon, c'est pas si simple que ça, hein, le jeu. C'est pas si simple que ça. Donc ouais, c'est les développeurs de ce jeu, hein, que j'ai pu interviewer. J'ai pas pu trop interviewer les autres. Alors, il y a deux raisons à cela. J'ai pas. Alors déjà, c'était compliqué d'aborder les gens. Le premier jeu, je n'osais pas trop forcément les interviewer. Par contre, l'autre, tu me files le fichier prob avec intro et conclu si tu peux. Et je le mettrai sur le podcast. D'accord, je ferai ça. Donc déjà ça. Voilà, donc un des deux, voilà, j'étais pas. Ça me parlait pas plus que ça en vrai. Du coup, je savais pas trop quoi leur demander. Et l'autre studio, en fait, donc c'était des étudiants, en fait, c'était leur projet de fin d'année. Et le projet était pas, à mon sens, assez abouti pour pouvoir faire un podcast là-dessus. C'était là, on va dire, c'était vraiment le seul projet. Où il y avait vraiment de la matière à discuter. Après, les deux autres projets étaient sympas aussi, hein, faut pas croire. C'est juste qu'ils étaient pas assez. L'un était pas assez avancé, l'autre était un poil trop. Pas amateur, mais vu que c'était un projet étudiant, c'était un peu compliqué. Ouais, je sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai fait qu'un seul. Voilà. Des trois. Mais c'est mignon les bestioles là. Mais il y a ça et aussi le fait qu'en fait on m'attendait. On m'attendait, les gens m'attendaient pour aller boire un verre. Donc j'avais pas forcément envie de traîner jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais en tout cas voilà, j'ai essayé de faire un premier podcast, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz, de toute façon. Bon, t'as pas de bras toi. Ok. Le gameplay est particulier, hein, mais c'est pas inintéressant, on va dire. Ça c'est quoi? X. Un sur 6, d'accord. Des petites boulettes. Après, je me dis 6 heures, ça me choque pas pour un jeu, sachant qu'il va avoir zéro dialogue. Tout va être en narration, ben là, comme vous voyez, environnementale. Ouh, ça, c'est une grosse bête. Donc, je me dis que, t'imagines, tu faisais un jeu de 20-30 heures où il n'y a pas un seul dialogue. Enfin, c'est peut-être possible, hein, mais ça doit être compliqué à gérer, quoi, à mon sens. Oh, bonjour. Ouch. Hop. Il est vénère celui-là. Hein. Hop là. Ouh là, il fait mal lui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il rigole pas lui. Hein. Suffit, hein.
Appuyez sur machin pour retourner dans ton fort intérieur. Ok. Oh, c'est marrant, j'aime bien la transition. Oh! Ok, d'accord. Ah, et là, t'as d'autres choses. Parade chargée, matière herbée pour charger. Une fois prêt, relâche pour parer, donne plus d'énergie en cas de succès. Comment ça, faut maintenir pour charger? C'est bizarre, ça. Augmente la santé, d'accord. Contre-attaque. Appuie sur RT après avoir paré correctement une chaîne d'attaque sans subir de dégâts pour effectuer une contre-attaque. Ça, c'est pas mal. Ça, je vais bien. Point de capacité plus un, m'en fiche. Attaque puissante. Maintien RT. Profiter d'une attaque puissante qui frappe plusieurs ennemis autour de toi. Non, la contre-attaque, ça c'est bien. Ça, c'est une mécanique pas mal. Oh, Cocarnage qui lance un raid avec un groupe de 6 personnes. Incroyable! Bonsoir Redbeer. Hola Captain Sand. Et vous venez pile à temps? Pile à temps? Enfin, je dis ça, mais c'est même pas vrai. Vous êtes en retard de 35 minutes, mais bon. Mais je vais pas le dire. Ça se dit pas, ça se fait pas. Ouais, ça c'est la puissance du SSD. Les chargements en un clin d'œil. Le SSD magique du PC. Ok, on continue donc notre balade. Ah oui, mais je vais pas aller là-bas, je vais d'abord aller là-bas. Oui, hein. Mais d'accord, on vous avez vu comme moi, là, il y a des petits yeux. Je vais avancer, avoir un gros machin. Et... En plus, ça cligne des yeux comme ça, genre innocemment. Je crois que je t'ai pas vu ou quoi? Allez, sors de ton buisson, toi. Et salut Coca, comment ça va? Mais regardez là. Ah c'est génial. J'adore. C'est juste deux yeux en fait. Il n'y a pas de modèle 3D, c'est trop drôle. J'adore. C'est bien pensé. Ah attends, faut peut-être que j'y aille par là. Là. Ah! Suis tombé. J'y ai pas fait exprès. Oupsi. Attends, on va redescendre, du coup. Zoupsi, hein. On va aller par là. Parce qu'il y avait cette lumière et tout. Oh, un petit ralentissement, désolé. Alors, voyons voir. Oh, oh. Ah! C'est pour récompenser Exploration. Ouais, j'ai 2 sur 6, je sais pas ce que c'est. Incroyable, attends, quoi. Oh, mais j'ai pas les notifs, c'est embêtant. C'est embêtant, ça. Merci, Captain Sand, si tu m'as follow. Je n'ai point eu la notif. C'est une sandale. Faut que j'essaye de reconfigurer tout ça. Ça m'embête un peu. J'allais dire, est-ce que je peux nager ou pas? Ouais, enfin, vu la gueule, comment qu'il nage. En fait, il nageait pas, il est en train de crever le pauvre. Oh non. Bon. C'est bien parce que je me fais raid et vous voyez, je trouve deux manières de mourir alors que depuis le début, j'ai tout géré nickel. Ok. On va continuer. C'est mignon comme tout, voyons donc. Alors ce jeu sort le 25 avril prochain. Voilà. Le tarif est encore inconnu. Probablement entre 30 et 40 euros. Probablement. J'ai mon internet qui bug aujourd'hui. Ça vient peut-être pas de toi les problèmes de notif. Non mais oui mais non mais quand même. En tout cas merci. Ah mais j'ai débloqué les capacités, c'est vrai. Ah mais trop tard. Tant pis.
l'ai battu. Alors, c'est un petit studio, mais tu vois quand même qu'ils ont appris des plus grands. Hein. Oh, on peut escalader ceci, mais comment qu'est-ce qu'on le sait? Hein? Bah, y a des feuillages qui tombent, dis donc. Et en plus, il y a la fameuse peinture blanche, ouais. Cette fameuse peinture ou cet égratignage blanc pour te dire, hey, tu peux escalader. Bon, ça, c'est un grand classique, ça, hein, dire. Mais tu sens qu'ils ont bien, ils ont bien révisé. Ils ont bien révisé leur leçon et c'est bien. Ils le font correctement. Ils essayent de faire ça assez bien intégré et tout. Coucou toi! Je peux te caresser? Vas-y, je peux le pète. Est-ce qu'on peut pète le bastiole là? Vas-y, vas-y. Oh oui! Viens! Huc, coucou coucou! Tutou! Oh minou! Vas-y, encore. Voilà. C'est bon, c'est le GOTY 2023, j'annonce. Can you pet the bestiole? Ouais. Et en plus, ça se fait avec un tel respect, vous voyez, il vient, il met d'abord sa main, la bestiole vient et accepte son truc. L'animation est très propre, ça j'aime beaucoup. Tu vois, c'est pas genre, il vient et lui caresse direct comme un petit enfant qui connaît pas, tu vois. Non, c'est très respectueux, j'aime bien. C'est une bonne animation. Tac, donc là, on peut aller par là. Voilà, ok. Ouh, il y a des bouboules. Deux bouboules. Ouais, on va voir. Quatre sur six. Attention, je suis à 4 sur 6. Oh, oh c'est rigolo. C'est des nénuphars. Attends, hop là. Ah, allez, non, palo, palo, palo. Palo, palo. Vite, vite, vite. C'est pas bon l'eau. Voilà. C'est. Ah, c'est choupi. Hein. Vraiment, visuellement, ils ont fait un truc sympa. Il y a. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a comme de l'eau propre en plus. Quelle horreur. Non, mais t'as vu ça? Le jeu a été développé par blocs, on va dire. Et il y a 8, 8 gros blocs. On peut dire 7 ou 8 gros blocs. Donc, du coup, à peu près 7 ou 8 gros niveaux, on va dire. Avec leur ambiance, leurs choses. Enfin, voilà. Faut voir ce que ça dit sur la suite. Mais en tout cas, là, comme ça, bravo. Bravo, bravo, c'est top. Je tiens à le rappeler, c'est un studio qui vient de ma ville et ils sont neufs, ils ont développé ça en 3 ans. En 3 ans. Hein. Ah, la sixième boulette, elle est là. Je sais pas ce que ça va donner. Un gain de niveau. Oh, un monstre. Bonjour. Oula. Hop là, ça c'est fait. Niveau d'affinité à l'énergie, plus 5% à tous les gains. D'accord. Ok, bon. Ok. Les musiques. Oui, les musiques. Alors. Excusez-moi, je suis encore une petite toux. Je suis vraiment navré pour le micro. Les musiques, je sais pas si vous entendez bien, on va augmenter très légèrement le son du jeu. Les musiques sont faites par le. Ça a été fait. Mais respecte-moi! Alors, c'était pas ce que je voulais faire, mais respectez-moi quand même. Les musiques, c'est par le type qui a fait des musiques de journée, Abzu. Entre autres. Voilà.
Donc, en fait, les développeurs, ils ont contacté le type, envoyé un mail, en lui montrant le projet, en lui disant voilà, on veut bien faire une collaboration, et ça s'est fait. Donc voilà. Donc, alors, à point ça, c'est assez discret, là, c'est plutôt ambiance, faut voir sur la suite et tout, mais bon, voilà. C'est quand même un type qui propose des super musiques sur journée. Que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais plutôt bien marqué. Enfin voilà, c'est Austin quelque chose. J'ai pas les notes sur moi. Je suis vraiment malade. Mais en tout cas voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? Mais grosse bête, hein. Ah, j'aime bien parce qu'il a quand même pris le temps de le. Oula. Ah oui. Mais tu déconnes moyen, toi, en fait. Hé, hey, laisse la bestiole tranquille, toi. Ah oui, d'accord. Un gros babot, et en plus, malgré que je pars, il me met misère, lui. Regagne de la santé en parlant. Merci pour cette astuce. Donc. Ah, donc là je vais skipper la cinématique. Voilà. Hop là, bim. Hop là, hop là, hop là. Excusez, ça a dû un peu freeze là le stream, je pense. Ou ralentir un peu. Violet, ça veut dire que je peux pas parer. Donc je suis obligé de l'esquiver. Hop, aou! Hey. Et laisse les bestioles tranquilles, dis donc. Dire un gros singe, je pense qu'ils ont dû faire ça comme ça. Ils ont dû réfléchir ça. Ah ouais. Là, phase de QTE. Singe, il a une genre de corruption, parce que le truc violet, c'est, ça veut dire que c'est corrompu. Ok. La petite guitare là. Mais il a tué la bestiole. Oula, salope. Oula, salope. En plus, je sais pas si vous avez remarqué l'animation, c'est un peu cruel parce que genre c'est comme s'il jouait avec, genre c'était, tu sentais que c'était pas de la méchanceté dans sa façon de prendre la bestiole. Du coup, c'est encore plus horrible parce que c'est un gros boulet qui fait pas exprès. Voilà. Oh non. Oh la pauvre bête.
Ça c'est fait. Donc je me suis fait éjecter. Donc là on voit la pompette. Ça suffit maintenant. Donc à chaque fin de combat, tu récupères toute ta vie. Donc t'as pas besoin de te poser la question de ah non, faut récupérer un peu de vie à la en parant bien juste avant de le battre. T'en fiches puisqu'à la fin du combat, tu récupères toute ta vie. Je trouve ça bien. C'est pas mal. Ah voilà. Laisser tranquille. On va le battre là. Là, il devient de plus en plus vénère hein, au niveau des. Pas battu. Ah oui, tiens, un détail que j'ai pas forcément dit sur le jeu, c'est que les ennemis, le but étant pas forcément. Alors là, on les combat, mais c'est pas un jeu où le but c'est de tuer pour tuer. Là, c'est plus pour comment dire, aider les créatures à. Du fait qu'ils soient corrompus, tout simplement les aider
à enlever leur corruption, je sais pas trop quoi. Alors après, c'est pas forcément, comme dit, il n'y a pas de mots dans le jeu, donc c'est pas dit de manière explicite, mais narrativement, ça se fait comme ça. Même si par exemple ces bestioles là, visiblement, on les bute, hein. J'ai l'impression. Timing, c'est pas ça. Ah zut là. Ça me fait plaisir ce machin. Crève, je te dis. Ah, ça me fait super. Passer au forceps, ça marche pas, hein. Ah zut là. Ah zut, j'arrive pas à avoir le timing pour cette attaque à la fin. Là non plus. Ah mais c'est pas vrai, à chaque fois je le fais trop tôt. Ça toujours pas. Ah bim. Voilà, ça c'est fait. Bon côté. Là on voit qu'il y a une bestiole morte. Voilà, à cause du gros singe. Laisse-les tranquilles quoi. En plus elles sont un peu rouges. Ah zut, j'ai pas fait un bon moment. Ça impressionne quand même pas mal les combats. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est le même ennemi, mais c'est à chaque fois différent. J'espère vraiment que c'est comme ça sur toute la longueur du jeu. À la suite. Ah oui, ok. On recommence. Je pensais que j'étais bien et là, voilà. Il m'a rappelé que j'étais pas bon. Donc là, on va skipper. Voilà.
Ah zut, j'ai pas fait dans le bon timing. C'est pas simple. Ouais, je pense qu'il faut surtout avoir de la patience. Ah non. Parce que vu qu'on récupère sa vie... Aïe. Parents correctement. Hey, zut. Allez, cette fois-ci on y arrive. Cette fois-ci c'est. Alors. Ah non, zut. Aïe. Tac, tac. Hop. Ah zut, celle-ci j'ai du mal. Aïe. Hop là. Ok. Ah zut. Il m'a chopé vite. Hop là, bim, contre-attaque. Ah, ah, ah. Hop là. Et on spam le bouton X parce que... Hey. Non, tu les laisses tranquille maintenant, ça suffit. Hein. Waouh. Je sais pas si le chat est figé. Qu'est-ce donc? Ah ben voilà, tu vois, elle est pas méchante la créature. Qu'est-ce donc? Elles sont pas... Les créatures sont pas... Comment on appelle ça? Revanchardes, elles sont pas... Ça va, elles acceptent. Stray Light, 25 avril, wishlist now. Ben voilà, c'était la fin de la démo. Eh ben c'est incroyable, ça fait pile une heure de stream. Incroyable. Comment que je suis. Comment que j'avais trop calculé le truc. Ok. Donc, Stray Light. Un studio. Ember Studio qui a démarré en 2020 ce projet, tout premier jeu du studio, ils sont 9 développeurs, donc il sort le 25 avril, et voilà, la démo, si le jeu est comme ça tout du long, franchement moi je dis banco, c'est super chouette. Déjà la bande-annonce elle donnait envie, mais là en manette en main, alors c'est vu que c'est un système où faut parer avec ce bouton, changer de couleur avec celui-ci, de temps en temps attaquer avec celui-ci, mais j'ai pratiquement pas essayé l'attaque sur le boss, enfin jamais même. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal comme système de jeu, j'aime bien, c'est pas trop. C'est un peu dur, parce qu'il faut bien se concentrer et tout, mais ça va encore. Franchement, je m'attendais à pire. Vraiment très 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 sympa. Voilà, dès que j'aurai clean du coup mon podcast, il sera en ligne et je de toute façon vous serez informé sur les réseaux, sur le Discord. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est tout bon. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon début de semaine. Qu'est-ce qu'on a? Demain, on aura Cocarnage, hein, qui fait une petite run de jeu Switch à 21h30.
Voilà, et moi-même, vous me retrouverez mardi matin à 10h30. Je ne dis pas encore le quoi le jeu, mais on verra. Probablement Obradine ou Secret World Legend ou Hitman. Bref, on verra tout ça. En tout cas, merci d'avoir été là. C'était très, 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 très sympa. Des bisous. Et un petit raid? Un petit raid, un petit raid. On va juste voir s'il y a un petit raid à faire. S'il y a un petit raid des familles. Sinon, je vous laisse vous coucher. Après, il est tard, hein. Faut quand même que vous ayez au lit, hein. Hein? Il y a école demain. Mais on va quand même voir. Des fois que pour les petits. Les petits loups qui ont envie de rester tard. Non. Écoutez, sur votre. Vous allez au lit. Ouais, voilà. C'est maintenant je le dis. Merci en tout cas d'avoir été là. Très bonne soirée. Des bisous. Salut, salut.